Ah, la numérologie. Vous ne savez pas ce que symbolise le 10. 1 et 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le monde. Un petit monde qui en fait se réduit à un réel proche du zéro, mais qui est précédé par un ego imputrescible. 10. Le monde. Ah, ça me fait penser. Oui, il n'y a pas simplement que le conseil d'administration ou ce qui se passe au sein d'une loge, d'un atelier. Il y a également la démocratie parlementaire, oui, bien sûr. Ce qui se passe pendant les convents. Ce n'est pas. Non, ce n'est pas, comme disait la présidente de cette association, un ordre démocratique. Non, non. C'est une magnifique oligarchie qui, cependant, a des députés en chaque atelier, en chaque loge élue. Oh, plus de 400 se réunissent chaque année, une ou deux fois, selon l'évolution du pacte qui les lie. J'ai bien sûr été députée, et lorsque j'étais grande oratrice adjointe, ce monde, puisque s'il en est un, n'est-ce pas celui-là, le monde du convent, eh bien alors que j'étais à l'estrade, à l'Orient, dirait-on, à la place de grande oratrice adjointe pour formuler les votes, que les députés décident de voter pour, voter contre, eh bien il faut formuler le vote. Bien sûr, il est mieux pour formuler un vote de connaître le dossier dont il est question, mais toutes les oratrices ne peuvent pas être sur tous les dossiers. Ce n'est pas comme ailleurs, non. Il y a une certaine spécialisation, encore que tout évolue. Mais ce jour-là, on me demanda de formuler un vote alors que je ne connaissais absolument pas la question de l'immobilier. Et l'on me regarda en me disant, mais justement, c'est très bien, formule donc le vote, Valérie. Alors, ce sont des subtilités que toutes les oreilles ne comprendront peut-être pas, mais certaines entendront sans doute très bien ce que cela peut signifier. Dans un endroit comme cela, comme dans d'autres d'ailleurs, l'information est en réalité ce qui relie le monde, l'ego, le narcissisme et le zéro infini du réel. Bonne information, mauvaise information, trop d'informations, aucune information, c'est un combat quotidien. Quotidien comme le nom du journal tenu dans les mains. Un combat quotidien que celui d'avoir le monde dans sa main. 10. Voilà, c'est la 10e vidéo. Non, je n'ai pas montré ma tête, je n'ai pas montré mes pieds. Ce n'est pas très important. Mais ce monde se décuple. Nous avons chacun différents mondes que nous choisissons de mettre dans notre monde, dans notre vie. Le travail est bien sûr un élément essentiel de cette construction du monde que l'on se choisit, et l'amour aussi. L'amour aussi, mais je pense que ce soir, je vais continuer à lire Les Illuminations d'Arthur Rimbaud. Espérer revoir les gens que j'aime, rencontrer de nouveaux gens que j'aime, de nouvelles personnes. La famille, bien sûr. Et je pense que cela fera un monde très beau, illuminé, quoi qu'il arrive, que je sois ici, bientôt dans un autre appartement, je le souhaite, dans la rue, dans le sud-ouest, ailleurs. La géographie fait-elle partie du monde?
sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. À plus tard.